Né vers 1948 à Djarwae, province du Maïkébi-Est, Routoua Yomagolom a commencé ses études primaires à l'école du centre de Bangor, puis ses études secondaires à Dounia, dans le Logone oriental, jusqu'à l'obtention de son BEPC. Il intègre la gendarmerie nationale et il fut major de sa promotion. Il a gravi tous les échelons d'élèves gendarmes jusqu'au grade général de corps d'armée. Ancien secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, l'illustre disparu a été ministre de la Justice, garde des Sceaux, en 1985 sous l'ex-président Hissène Habré. Il a également occupé le fauteuil du département de l'agriculture en 2002, puis celui des postes et des télécommunications en 2003. À la faveur d'un remaniement gouvernemental en 2004, le général Routoua Yomagolom est appelé à gérer le portefeuille du ministère de l'administration du territoire, puis muté à la tête du département du commerce et de l'industrie en 2005. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Immigration en 2006, il est élu député du parti MPS à l'Assemblée nationale depuis 2011, représentant le Maïkébi-Est. Le général a également occupé des fonctions au sein de l'état-major des armées. Marié à trois épouses, général Routoua Yomagolom est père de 24 enfants. La triste nouvelle de la disparition subite de l'illustre général Routoua Yomagolom est tombée tôt ce vendredi, tel un couperet, se répandant dans toute la ville comme une traînée de poudre. Chez la famille de feu, le baobab du Maïkébi tout court, que de la désolation et de la consternation. L'assistance est abattue par le deuil. Madame Dersou Kalbansou, membre du bureau politique national du MPS, pleure un homme sans égal. C'est un grand arbre qui vient d'être déraciné par un coup de vent. Et c'est difficile, d'abord pour le pays en entier et en particulier le Maïkébi. Franchement, les mots me manquent pour exprimer cette douleur. Sa Majesté Sulugna Tordina, chef de canton de Bangor, lui aussi est inconsolable. Lissadi Abdelbanar Fala, secrétaire général provincial du MPS, regrette la mémoire d'un grand homme providentiel. J'ai retenu trois choses de ce monsieur. La première chose, c'est son courage. La deuxième chose, c'est sa sincérité. Et le reste, il m'a toujours conseillé de faire bien le travail. Ainsi va la vie. La sentence divine étant péremptoire et sans appel, feu général Routoua Yomagolom tire sa révérence, quittant définitivement la scène après de grands et loyaux services rendus à la nation, surtout au moment où la population maïkébienne et la jeunesse particulièrement attendaient encore beaucoup à donner de lui. Général Routoua repose en paix.